Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle interview spéciale Australie-Nouvelle-Zélande. Je suis avec Cédric, salut Cédric. Salut Damien. Donc enchanté, bienvenue sur la chaîne, ça fait super plaisir de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur ton expérience. Alors tu as passé un an en Australie, 6 mois en Nouvelle-Zélande et du coup on va s'amuser à comparer un petit peu les deux expériences sur tes programmes visa vacances-travail. Je rappelle, le visa vacances-travail c'est réservé aux 18-30 ans. Alors déjà, pourquoi être parti voyager au bout du monde? Ben, c'était il y a... Alors l'Australie, ouais, c'était il y a 6 ans. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus, j'étais un peu renfermé, j'étais un peu à la recherche de la vie, enfin de moi-même, d'expérience. Et j'avais quelques contacts qui étaient partis en Australie. À l'époque, c'était pas non plus la destination en vogue, mais j'avais quelques contacts qui m'avaient parlé vraiment de l'Australie, que c'était bien payé, que c'était un pays anglophone, donc tu peux apprendre l'anglais, comparé à l'Angleterre où c'est un pays qui fait vachement froid. L'Australie, il y a quand même des régions où il fait super beau. Puis il y a énormément de voyageurs. Donc en fait, on m'a dit, voilà, si du coup tu veux voyager, profiter de la vie, te découvrir, n'hésite pas, va en Australie et tu auras une aventure incroyable, quoi. C'est vraiment ce qu'on m'a vendu avant de partir. Donc c'était en quelle année t'es parti? C'était en 2011. D'accord, 2011, ah oui d'accord, donc à l'époque le dollar en plus était un... dollar était intéressant à l'époque, il me semble. Ça devait être intéressant. C'est vrai que moi, on m'a parlé du travail. Après, je suis pas allé pour essayer de faire des économies. J'ai pas réussi à ramener beaucoup d'argent, mais D'accord. Alors, tu es arrivé en Australie et comment ça s'est présenté les premiers jours? Est-ce que c'est compliqué l'aventure les premiers jours? Moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà un budget un peu en euros. Donc, j'avais dans les 3 000 euros, c'était sorti dans les 5 000 dollars. Et D'accord. voilà, quand moi je suis arrivé, j'avais pris un pack avec Base, une semaine à Base, ouverture du compte bancaire. C'est un truc que tu payes 150 euros à l'époque. D'accord. Et pour moi, c'était super avantageux. J'avais jamais vraiment voyagé. Mon anglais n'était pas terrible. D'accord. Donc, ça m'évitait de faire toutes les paperasses en parlant anglais avec des gens et tout dans un domaine un peu sérieux. Et voilà, du coup, je suis allé dans l'auberge jeunesse, je me suis fait des potes français très rapidement. Et en fin de compte, on a fait du woofing les premiers temps. Et ça m'a aidé en fait à, je sais pas si vous connaissez, si tu connais toi le woofing. Oui, bien sûr. Donc en fait, tu as commencé par une auberge jeunesse qui est classique et après rapidement, tu es parti dans la solution de volontariat. Donc le volontariat, pour rappel, Woofing ou Helpic, c'est les deux gros systèmes. En gros, tu travailles quelques heures par jour, tu es nourri, logé, blanchi, tu n'as pas de dépenses et tu pratiques l'anglais. C'est ce que tu as fait à l'époque. Et c'est une solution. Alors tu ne gagnes pas d'argent, mais la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de pas en dépenser. Donc ça, c'est ce que tu as C'est fait. C'est exactement. une bonne Surtout quand stratégie. tu ne sais pas trop quoi faire, tu viens d'arriver dans un nouveau pays. Moi, je rencontre des Français qui étaient plutôt sympas et ils me disent, bah, tu connais le woofing? Je fais, bah, non, je ne sais pas ce que c'est. Et à l'époque, en fait, il n'y avait même pas d'application. C'était vraiment, il fallait acheter le livre, aller dans une office. Il y avait deux offices qui le vendaient en ville, à Sydney, je me rappelle. Et tu sortais, c'était 50 dollars, tu achetais le livre et il y avait une description de 3 lignes sur la ferme. Et on a Excellent. choisi un peu au hasard, tu vois, on est parti, quoi. D'accord. Et du coup, ça t'a semblé facile de rencontrer des personnes au départ? Est-ce que c'est compliqué de rentrer en contact avec des amis, de se faire des potes? Ça, c'est la peur de tout le monde, en fait. Ben, en soi, c'est un peu une réponse bateau, mais ça dépend de ton caractère en fait. Parce que moi, je suis vachement sociable. J'adore rigoler, j'adore dire des conneries aux gens. J'adore facilement, je vais voir des gens qui parlent français. En plus, ça donne envie parce que du coup, tu arrives en Australie, tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Et au petit-déj, simplement, moi, j'entends des gens parler, je vais facilement y aller. Tu vois, je vais vers une, je vais dire une connerie, il y a une blague qui va me sortir, je vais leur dire, tu vois, que ça marche ou que ça marche pas. Exactement, les premiers contacts vont se faire soit dans la chambre, soit au petit-déj, dans la cuisine. Et après, bah, tu rentres en contact, tu te fais un petit réseau. Et ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est en se faisant un réseau qu'on amorce bah, les premiers contacts pour du travail. Hein. Donc toi, ça a été l'exemple concret. Alors, tu n'as pas décroché un travail rémunéré, mais tu as décroché un premier job de volontariat et donc en woofing. Alors, c'était quoi cette expérience de woofing? Du coup, tu peux nous en donner en quelques lignes? C'était donc vers Sydney. En fait, c'était genre un gars qui était professeur à l'université de Sydney. Donc, genre, le mec super intéressant, super intelligent. Donc, il y avait vraiment un échange qui était enrichissant pour moi. Et c'était surtout sa femme qui s'occupait de nous. Donc, en fait, elle nous donnait des tâches au niveau du jardin. C'était un couple qui avait au moins 60 ans. Et le gars, en fait, il travaillait pas énormément à l'université. Il faisait quelques heures par semaine. Et le soir, il s'occupait toujours de nous. C'était à 1 heure de Sydney en voiture. Et voilà, c'était travail de jardin, aménagement d'un coin du jardin, mais c'était physique, hein, c'était pas aménagement, tu sors les quatre gants et tu vas couper les fleurs. On a dû niveler une sorte de mini colline, en fait, on l'a mise à plat pour construire un temple.
où le gars en fait il méditait dedans. Donc c'était pour moi c'était une découverte, hein. Je connaissais pas du tout. Voilà, en fait, l'avantage du LPX to woofing, c'est souvent des expériences un petit peu folles. Et donc, du coup, on met un peu les mains dans le cambouis, dans des trucs où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est ça aussi, vous partez avant tout en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en programme des vacances travail pour vivre ce genre d'expérience un peu extraordinaire en soi et un peu déjantée. C'est ça l'objectif. Ouais. Tu t'attends pas vraiment à ce qui va se passer. Tu pars, on te donne une famille, mais tu sais pas comment ils sont, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est assez intéressant. Ouais. Voilà. Et est-ce que ça t'a semblé le coût de la vie en Australie quand t'es arrivé? T'as pris une claque en termes de budget? Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Ça coûte trop cher ou ça va? Ouais, sans mentir, déjà je fumais à l'époque, donc là c'est fini. Mais quand je fumais, ouais, ça me coûtait énormément cher. J'adorais boire un peu en soirée, et la bouteille de tequila était à 50 $, si je me rappelle. Enfin, cigarette, tequila, tu rencontres des gens à l'auberge, t'as envie de faire la fête, mais 2 semaines, hein, juste 2 semaines, tu te dis, bah je vais sortir 3 fois par semaine. Bah ton budget, je te jure que tu vois, je crois que j'ai perdu 1 000 $ en 2 semaines. Mais ça c'est super intéressant ce que tu dis, Cédric. C'est-à-dire qu'au départ, bah, forcément, tu arrives dans les villes, tu as un peu le piège de la ville où en fait tu te fais des contacts, tu te fais des copines, tu sors. Et ça a été aussi mon cas à moi où j'avais du mal à sortir Sydney en 2012. Ça a été aussi ton cas à toi avant que tu ailles en Wi-Fi. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner à travers nos expériences et ton expérience surtout, c'est d'arriver en ville, faire tes paperasses au bout d'une semaine et après partir rapidement des villes parce qu'en Australie, tu as des tentations et tu peux rapidement dépenser 100 $ à une soirée dans l'alcool surtout et les cigarettes qui se comptent très cher. C'est vrai. Après, si ton objectif c'est de travailler en ville, bah tu coupes. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait différemment. Je suis allé dans une grande ville, et le premier jour, en 2 jours, j'ai trouvé un travail. Voilà, c'était pour compenser du coup certaines dépenses. Mais c'est vrai que si d'un coup tu veux travailler ou explorer le pays, que tu as déjà un budget, tu veux pas forcément travailler en ville, reste-y le moins possible. Ou alors, faut vraiment que tu aies un gros budget, quoi. Et surtout, travailler en ville, ça demande un minimum d'anglais, souvent, parce que c'est des boulots où tu es en contact avec la clientèle, ou des compétences manuelles, donc dans la construction, notamment en Australie, c'est très recherché. Voilà, les boulots manuels, hein, la plomberie, carreleur, tout ça. Parce que toi, à la base, tu travailles dans quel domaine? Alors, quand je suis parti en Australie, j'étais boulanger. Donc, D'accord. moi, j'avais eu mon CAP il y a un an auparavant, un an avant de partir. J'ai pu travailler dans quelques boulangeries en France, mais bah, c'est assez compliqué. Mais la boulangerie, ça peut être artisanal, comme ça peut être vachement industriel. Et j'ai fait un peu des deux. Et à la fin, en fait, je suis plus tendu vers l'industriel quand j'ai travaillé à Leclerc, etc. Donc, je ne pouvais pas non plus arriver et dire, voilà, moi, j'ai le savoir français, je vais vous faire du pain incroyable. Tu vois, je me suis D'accord. pas. Il y a des gens, ils sont super forts, hein. Ils sont boulangers, c'est leur passion. Et moi, c'était plus le boulanger occasionnel. J'ai fait un CAP, voilà, comme ça. Et du coup, j'ai cherché dans la boulangerie et je n'ai pas trouvé à Sydney. C'est pour ça que je suis parti assez rapidement. D'accord. Et quand t'es parti, du coup, t'as acheté un véhicule, comment ça s'est passé en fait? Des bus qui nous amenaient à certains points, mais pour moi, un véhicule c'était trop coûteux. En fait, d'arriver, acheter un véhicule, voyager, c'était pas trop mon idée. Je l'ai joué plus backpack en fait tout le long. Backpack avec mon sac à dos, il y avait des lignes de bus super pratiques en Australie. Je crois que la compagnie s'appelait Greyhound. Exactement, exactement, Grayande, oui. Ouais. Et du coup, en plus, je rencontre des gens à une auberge qui me disent, bah, demain on va là, on va prendre ce bus. Moi, je dis, mais je connais pas cette région. Et voilà, en fait, j'ai fait moi, tout mon voyage s'est fait sur le feeling. J'avais pas beaucoup d'argent. Tout le long, j'ai réussi à trouver du travail, mais à toute petite période, sur 2 semaines, un mois. À chaque fois, j'ai jamais travaillé plus d'un mois en Australie. Et à chaque fois, je change. J'ai fait mon tour comme ça, 2 semaines, un mois. Je reste 2 semaines dans un endroit, je voyage. D'accord, ouais, toi tu étais vraiment en mode covoiturage, aventure sac à dos, t'as pas acheté le van comme pas mal de monde. C'est vrai que c'est aussi un budget et un risque pour l'achat d'un van. Après, voilà, c'est un cap à franchir, c'est vrai. C'est vrai que ça dépend le voyage que tu veux faire. Il y a des gens, ils partent avec 4 potes, ils se disent, ben, on va faire le road trip de notre vie. T'as combien? Tout le monde a 2 000 euros. Ben, 2 000 euros à 4, t'as 8 000 euros. 8 000 euros en Australie, on va pas se mentir, t'es bien, quoi. Normalement, t'es bien. Mais l'imprévu, le moteur, il lâche, joint de culasse. Moi, j'ai rencontré des gars, ils avaient acheté un van. Et ouais, en fait, ils se sont embrouillés. C'était les meilleurs amis du monde. Et au bout d'une semaine, ils ont acheté un van. Et en fait, il y avait un des 5 gars qui n'était pas là durant l'achat. Et le van, en fait, il est mort. Le moteur, il a lâché en une semaine. Et le cinquième, il fait, bah, vous devez me rembourser parce que je n'étais pas là lors de l'achat. J'étais là en mode, mais l'histoire, tu vois, moi, j'étais là en tant que spectateur. Je me suis dit, heureusement que je n'étais pas dans ce cas-là, parce qu'ils s'entretuaient entre un, l'autre. Personne ne voulait lui rendre l'argent. Lui, il devenait fou. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques. Et après, il y a des bonnes histoires aussi. Mais
En fait, l'achat d'un véhicule, c'est comme partout. Alors, il y a des précautions à prendre. Par exemple, si vous achetez un véhicule en Australie, dans nombreux États, il y a un contrôle technique qui est exigé. Donc, faites un contrôle technique dans tous les cas en amont si vous ne connaissez rien à la mécanique. Hein, c'est pareil partout. Et après, il y a aussi une partie de chance, une partie de poker. C'est un investissement, mais quand vous vraiment la chandelle. Mais si vous décidez d'acheter un véhicule, et vraiment, je vous le conseille, c'est de faire un contrôle technique avant d'acheter le véhicule. Donc, dans l'État de Queensland et du Victoria, là, il y a le contrôle technique exigée, mais sinon dans les autres états, il n'y a pas forcément de contrôle technique obligatoire lorsqu'il y a changement de propriétaire, donc c'est à vos risques et périls. Donc dépensez 90$ dans un contrôle technique et derrière vous minimisez les risques. Et après, si vous décidez de ne pas acheter de véhicule, ça peut très bien se comprendre, mais l'Australie, et d'ailleurs on va en venir après par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est que les distances en Australie sont énormes, il fait chaud, on a du matos. Donc moi je conseille souvent le van parce que les distances sont compliquées, ou l'achat d'un véhicule, parce que dépendre de quelqu'un, c'est compliqué, il faut s'entendre avec les bonnes personnes. Voilà, ça dépend. Si vous partez tout seul, en tout cas, acheter un véhicule et partir tout seul, c'est vraiment très très risqué, parce que s'il y a un problème mécanique, et ben derrière, il faut tout gérer tout seul. Donc toujours acheter un véhicule au moins deux personnes. Comme ça, vous partagez les frais, le prix de la régo, s'il faut la renouveler, l'assurance, la maintenance. On n'est pas à l'abri d'avoir des tuiles mécaniques, comme tu l'as dit. Et donc après, sinon, il y a le système, comme Cédric a fait, donc il vient d'expliquer. Donc le système Greyhound, où il y a des passes, vous pouvez faire le tour de l'Australie avec Greyhound, où il y a plein d'agences, hein, qui le font. Et ça peut être un moyen comme un autre, ou sinon le covoiturage, le lift, hein, le covoiturage, et d'aller, comme ça vous rentrez plein de monde, donc ça c'est vraiment très aléatoire. Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de trouver du boulot en Australie finalement? Dans la ferme, non. Tout ce qui était fruit picking, c'était assez simple. Il y avait des plans. Les gens, en fait, quand j'étais parti, c'est pas pour faire genre je suis un vieux ou quoi, mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Enfin, c'était pas du tout la mode. Je me rappelle quasiment d'aucune personne autour de moi qui avait un smartphone en 2011. Et du coup, tu n'avais pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, des applications, alors, ou même des forums sur Facebook où tout le monde donnait les bons plans. C'était plus compliqué. Il fallait aller sur des sites spécialisés. Du coup, mais ça se faisait quand même facilement. C'était connu. Là, il y avait d'ailleurs sur Roofing, les dernières pages, il y avait selon les saisons, la zone où il fallait aller dans le pays pour aller piquer ce fruit-là. Et il y avait les gens, les backpackers entre eux, tu dis, ouais, tu me conseilles de piquer la salade. Le mec, il dit, ouais, la salade, mauvais plan, tu te fais mal au dos. Il te dit, par contre, attends, ce mois-ci, va là-bas, t'as les cerises, super bien payé, blablabla. Du coup, si d'un coup tu étais un peu courageux, en fait que tu avais envie d'acheter ton billet de bus et te dire bah, je vais tenter ma chance dans cette ville, piquer les cerises parce qu'on m'a dit que c'était bien, à l'époque ça se faisait et tu avais du travail parce que bah, les gens ils ont besoin de main-d'œuvre. En fait, on est là un peu pour ça, les backpackers, les voyageurs, tu verras pas d'Australiens piquer les cerises, hein, c'est ça Exactement. existe. Alors, je pense que entre ton expérience et maintenant en 2018, alors moi j'ai vécu l'expérience en 2012 la première fois. En effet, ça a un peu changé. Il y a plus de concurrence dans les fermes. Donc, à l'époque en 2011, on trouvait quand même beaucoup plus facilement du boulot. Aujourd'hui, c'est une autre expérience que pour les backpackers qui arrivent. Il y a plus de concurrence. Après, avec la motivation, la détermination, on finit toujours par trouver quelque chose. C'est juste que la concurrence s'est un peu accélérée avec l'ouverture du visa avec les Chinois, par exemple. Voilà, et c'est aussi une nouvelle mode. Là, il y a aussi beaucoup de backpackers français qui sont attirés, donc il y a de la concurrence. Après, n'hésitez pas à vous éloigner dans la outback, c'est ce que je conseille souvent aux backpackers. Ne vous limitez pas au niveau des côtes. Soyez différent au niveau de l'itinéraire, c'est-à-dire que si vous êtes au soleil, par exemple en ce moment à Brisbane, à Guenda, allez en hiver à Renmark, voilà, il fait froid, mais en tout cas, qui veut ramasser des fruits sous 10 degrés? Mais en même temps, donc soyez anti-saison et vous aurez plus de chances à trouver du travail. Et après, est-ce que tu as rencontré des difficultés sur place, des inattendus, des imprévus qui t'ont vraiment pris une grosse claque? Est-ce que tu as eu des coups de blues? Du coup, à ce niveau-là, non, j'ai pas eu trop trop de grosses galères. Pour moi, c'était plutôt tranquille. Des fois, j'avais plus beaucoup d'argent, mais en fait, il m'était arrivé des histoires incroyables. C'est ça qui est incroyable en voyageant, c'est que tu crois après au destin, il se passe des choses. Il se passe des choses. Tu peux pas te dire, je voyage, il se passe rien, à moins que tu sois vraiment renfermé. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient enfermés sur eux-mêmes, ils parlaient pas, et en fait, l'aventure, ils ont pas pu vivre grand-chose parce qu'ils étaient pas ouverts, en fait. Si tu t'ouvres, Exactement. un sourire, un regard, les gens ils captent si d'un coup tu as un souci. Le mec il te voit déprimé, même des fois ça se voit, tu vois des gens qui sont mal ou quoi dans le coin. Tu te dis bah, qu'est-ce qui t'arrive? Le mec il te racontait son histoire. Mais du coup, moi en fait, voilà, moi j'avais plus d'argent et je devais décider de ce que je devais faire. Et en fait, il me restait 300$ et j'avais payé, je crois, 150$. On était 6 ou 7 dans un camping-car. On avait traversé tout le désert de Cairns à Darwin en fait. Tout le monde avait Oui. vendu Darwin, va à Darwin et tout. Et donc, pendant une semaine, on traverse en camping-car, il fait super chaud et tout. Je me dis, ouais, j'espère que ça va être bien Darwin. Ouais. Du coup, il me restait plus que 150$ après. Et j'arrive à Darwin.
Et les chambres d'hôtel étaient à 30 dollars la nuit. Le prix excessif, je pouvais dormir 5 nuits, quoi. C'était, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est fini pour moi. Je devais demander de l'argent à ma famille et tout. Et en fait, dans ce camping-car, on était 6. Et j'ai un peu parlé aux autres. J'ai fait, mais vous allez faire quoi maintenant qu'on est arrivé à Darwin? Ils m'ont dit, ben, nous, on connaît une famille qui nous héberge et tout. Et en fait, la famille, donc j'ai un peu en leur parlant, et ils m'ont proposé, bah, viens avec nous dans cette famille. Et en fait, ils m'ont hébergé un mois gratuitement à Cairns, mais genre un mois, comme si j'étais leur fils. C'était un truc de fou. Et en fait, grâce à eux, ils m'ont dit, viens, on va te chercher du travail. Et en fait, voilà, ça c'était incroyable. En parlant, en disant, voilà, moi je suis dans la galère, on m'a hébergé un mois. Et c'était un mois, mais nourri, logé, échange, partage, c'était incroyable. Pour moi, c'était une bénédiction, au pire moment de mon voyage, quoi. En fait, comme dit Cédric, c'est très intéressant. Quand vous allez voyager, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes au bord du gouffre dans des situations totalement désespérées, hein, des situations financières ou mentales, il suffit des fois d'un petit élément qui va faire repartir la flamme. Donc, soit c'est un premier contact ou un premier boulot ou se refaire financièrement. Et en fait, l'Australie, ça peut repartir d'un coup sec, c'est quand on n'y croit plus que ça va payer. Donc, accrochez-vous dans les moments difficiles. Sur un an en Australie, un an en Nouvelle-Zélande, 2 ans en Océanie, il y a forcément des périodes difficiles. Vous partez pas une semaine au Baléares, vous partez 2 ans à l'aventure, et ces genres d'expériences, après, humainement, ça vous apporte énormément de confiance pour plus tard. Et après, la vie va vous semble beaucoup plus facile et apporter des solutions concrètes à des situations compliquées. Et donc ça, c'est très intéressant, même dans le monde de tous les jours quand on est chez soi. Super ton retour, Cédric. Et après, donc, comment ça s'est passé? Donc, tu as fait ton année en Australie, tu as aimé, et après, tu as enchaîné par la Nouvelle-Zélande. Non, en fait, j'étais rentré, donc en 2012, fin du monde. Bon, ouais, on n'est pas mort, heureusement, parce qu'on me l'a vendu, ça. En fin de compte, j'ai un peu travaillé sur moi. Je me suis rappelé de mes souvenirs et j'ai eu un projet. Je me suis dit, bah, je veux plus être boulanger. Donc, en fait, j'en ai profité pour me reformer en France, ce qui est vachement intéressant parce que tu voyages, tu découvres l'Australie. Les gens, ils disent, bah, l'université, c'est 10 000 dollars par an. Tu sais, déjà, tu commences à découvrir le monde. Enfin, je sais pas trop les prix. Moi, je crois que c'était un peu un truc comme ça. Donc, j'en ai profité pour me reformer, toujours en gardant l'idée que je voulais retourner voyager dans un pays anglophone, parce que l'Australie, c'était mon pays de cœur, quoi. Mon plus grand voyage, quand tu as 20 ans, tu pars un an. Pour moi, c'était mon premier voyage, hein. C'était des souvenirs incroyables. Et du coup, Exactement. je me suis dit, bah, je vais essayer pendant les plusieurs années que je suis resté en France, j'ai essayé d'économiser tous les mois un peu. Je vis chez mes parents, tu sais, enfin, moi j'ai plein de façons pour économiser. J'ai arrêté de fumer, je bois quasiment plus en soirée, c'est con, mais bon, ça change, hein, à la fin. Ça fait sur 3 ans, si tu fumes plus et que tu bois plus trop en soirée, ça peut te faire 3 000 euros, tu vois, facile. Et voilà, et du coup, en fait, je me suis dit, bah, je vais me faire un projet pour repartir. Autour de l'Australie, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Et la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui n'était pas trop connu à l'époque. Les gens, ils voulaient pas y aller comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, enfin, on va pas se mentir, avec Instagram et tout, tu vois des photos en Nouvelle-Zélande, tu te dis pourquoi pas? T'as décidé de repartir cette fois-ci en PVT Nouvelle-Zélande, c'est ça, hein? C'est ça, la même chose que l'Australie, le PVT pour pouvoir y travailler. Toujours avec cette idée de bah, voyager, ça coûte cher. J'ai toujours des plans pour m'en sortir. Hein. Si tu parles anglais, en plus, en revenant d'un an en Australie. Je parlais super bien anglais, on va dire. Quand je suis revenu pendant plusieurs années en France, j'ai pu voyager aussi à droite à gauche durant mes vacances. Et je me suis dit, bah, voilà, ça coûte cher de voyager. Moi, je veux repartir en ayant l'opportunité de trouver un travail. Même si ça pouvait être faire la plonge, ramasser des salades, bah, quand tu as besoin d'argent, moi, je ne suis pas le genre de mec qui va rechigner le travail. Voilà, moi, je prends tout. Exactement. Et alors, t'es arrivé dans quelle ville en Nouvelle-Zélande du coup? Alors, je suis parti en 2017, donc c'était l'année dernière. Je Ouais. suis arrivé en novembre 2017 à Auckland City, smartphone, Facebook à fond, donc j'ai toutes les. Là, c'était vraiment un deuxième voyage du coup entre les deux. Bah, il y avait l'évolution un peu de la technologie. Tu avais l'expérience du premier voyage. Quand vous allez faire un premier voyage en PVT, que vous allez revenir, ça va vous sembler beaucoup plus facile. Tout va vous sembler plus facile, hein, sur plein de choses. Hein. Vous savez comment après aborder le problème, des situations extrêmes. Et donc du coup, ton deuxième voyage a été beaucoup plus simple. Tu t'es senti un peu plus libéré, non? Ben vraiment, ouais, beaucoup plus simple pour la confiance de l'anglais, ça change tout. Et si tu parles anglais couramment, tu vas à la banque, tu ouvres un compte bancaire, Exactement. tu n'as plus besoin de passer par. Je me sentais plus assisté par toutes ces packs et tout. Enfin, moi, j'étais le mec qui était là, je savais ce que je voulais en fait. Tu viens, ouais, c'était complètement différent. L'Australie, c'était on verra ce qui se passe, et la Nouvelle-Zélande, c'était je sais ce que je veux. En fait. Exactement, ça c'est super intéressant. Et donc, tu es arrivé à Auckland et comment ça s'est présenté? Tu as recherché du travail? Comment ça s'est présenté au départ?
En fait, là, j'ai eu un diplôme d'éducateur sportif en France, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait servir. Mais grâce à une page qui s'appelle Les Français en Nouvelle-Zélande, Oui. moi, j'ai réfléchi un peu par rapport à la saison. Donc, je suis parti en novembre, ça allait être juste avant l'été. Donc, c'est quand même bien de venir un mois avant. S'il y a des offres d'emploi, des mecs qui cherchent pour la saison, ben, un mois, ça laisse le temps de trouver un travail. Moi, je trouve, c'est bien d'arriver un peu avant la saison, tu vois. Voilà. Et donc, comment ça s'est présenté? Tu as cherché du travail dans les fermes en Nouvelle-Zélande? Non, en fait, j'ai trouvé sur Facebook un emploi. C'était des Français qui le proposaient, un emploi pour nettoyer des voitures. Ça s'appelle car groomer. En fait, ça s'appelle ça car groomer. Et tu Ah, mais nettoies, tu t'occupes des voitures. C'était dans une agence de location de voitures qui s'appelait Omega Rental Car. Voilà, je le dis. Et ça s'est d'accord. super bien passé. En fait, ils m'ont donné l'opportunité de travailler avec eux. Et j'ai fait 4 mois, quoi. 4 mois de travail. Toute la saison d'été, j'étais car groomer. Et après, ils À m'ont mis Auckland? réceptionniste aussi. À Auckland, ouais. D'accord. Et donc, tu avais ton appart à Auckland. C'était cher un appartement à Auckland? Alors, grâce à mes voyages antérieurs, je connaissais une Néo-Zélandaise parce que j'étais parti au Vietnam l'année d'avant pendant 2 mois, et en fait j'ai rencontré une Néo-Zélandaise qui était étudiante là-bas. Et les étudiants, ils ont tous les bons plans parce qu'en fait Ouais. eux, ils gardent leur super appartement au centre-ville, super pas cher. Ils se le gardent entre eux, et ils le sous-louent en fait durant l'été. Donc pour eux, l'été c'est durant les périodes hivernales chez nous en France. Et en gros, quand je suis arrivé, ma pote elle m'a dit, moi j'ai une place pour toi en plein centre-ville à ce prix-là. Et c'était comparé à mes amis qui avaient des appartements soit super chers en centre-ville, soit pas moins chers, mais qui étaient des fois à 1 heure de voiture. Mais moi, j'étais à 20 Ouais. minutes en vélo du travail, c'était super. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Essayer de passer éventuellement direct par les Kiwis, les locaux, sans passer par d'autres sites. D'accord, ça c'est intéressant. Et sinon, il y a des sites internet pour trouver des locations en Nouvelle-Zélande? T'as des TradeMe qui est, je crois que c'est utilisé un peu dans tous les pays anglo-saxons, TradeMe. Voilà, TradeMe, c'est un peu comme Gumtree en Australie. Hein, pour ceux qui. Voilà, Gumtree en Nouvelle-Zélande n'existe plus, pour information. Voilà. Voilà. Et donc, ok, et Ok, et après, après, tu tu m'entends, m'entends, Cédric? Cédric? Voilà, c'est ça, là, c'est le trade me, là. Voilà, donc Voilà, donc Cédric, c'est bon, Cédric, tu c'est bon, tu m'entends? m'entends? Ouais, c'est bon, j'ai eu Ouais, un petit bug, mais voilà, ça ça marche, pas de marche, pas de souci. souci. Et donc, et en Nouvelle-Zélande, après, tu as travaillé en tant que bah, dans le car wash, enfin, c'est ça, c'est nettoyage de voiture? Car groomer, ouais. D'accord, et. C'est nettoyage de voiture. Et en fait, ils m'ont mis ça pendant 2 mois, et après, j'ai fait réceptionniste, parce que je parlais bien anglais, et voilà, c'est bien passé aussi. Alors, et le salaire en Nouvelle-Zélande, et c'est combien le salaire en Nouvelle-Zélande? C'est intéressant de savoir ça. Alors, quand je suis arrivé, on m'a dit que le salaire il était à 15,75 de l'heure. Exactement, voilà, Et en exactement. fait, mais il y a une hausse, je crois, en mars. Moi, on m'a Oui, dit qu'il a été hausse à il y a eu. 16,15. D'accord, donc en gros, en Nouvelle-Zélande, 16 dollars brut. Faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, l'avantage, c'est que vous pouvez récupérer vos taxes, contrairement à l'Australie où on gagne 23 dollars de l'heure, mais on ne peut plus récupérer cette taxe. Donc, en gros, ce que tu gagnes en brut en Nouvelle-Zélande, ce qui est équivalent en net en Australie. Ça, c'est intéressant pour ceux qui vont travailler en Océanie. Sinon, en termes d'aventure, si tu devais comparer l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est deux pays vraiment différents ou ça ressemble beaucoup? Ouais, pour moi, c'est deux aventures différentes. En fait, déjà par rapport à la taille du pays, l'Australie, c'est immense. Donc, c'est un truc, si tu veux te dire, allez, je me lance un défi, je veux faire le tour de l'Australie. Enfin, ça peut te prendre un an, mais il y a même des Australiens, ça leur prend 2 ans. C'est immense, quoi. Immense. Oui, Et ça coûte cher. exactement. Ça coûte cher aussi, il faut y penser à ça. Alors que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est beaucoup plus petit. Hein. Vous regarderez si vous voulez après chez vous sur Google Maps ou quoi. Et du coup, c'est vachement intéressant de se dire, bah, moi, la Nouvelle-Zélande, comme je vous ai dit, moi, je sais ce que je voulais faire. Et je voulais faire un road trip, c'était l'idée. C'est ce que fait énormément de gens. T'achètes, tu travailles, t'achètes une voiture où tu peux dormir dedans. Et en fin de compte, tu voyages avec tout seul ou avec des potes ou avec ta copine ou quoi. Et en fait, tu fais du nord au sud ou du sud au nord. Et tu fais tout. Tu fais tout D'accord, pareil, d'accord. quoi. Donc en Donc, en Nouvelle-Zélande, t'as Nouvelle-Zélande. acheté une voiture? Ouais, carrément. D'accord. Donc t'es parti plutôt sur l'option break, c'est ça? Ouais, c'était une voiture avec un long bac. Là, il y en a beaucoup dans les pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On en voit un peu moins en France, mais c'est des pays avec des voitures vachement allongées. Et tout simplement, moi, je suis 1,91 m, donc je suis assez grand et je dormais super confortablement. Donc, je voyais des filles, elles étaient microscopiques. Enfin, je vois, c'est pas 1,60 m ou quoi, tu vois, 1,57 m. Et elles allaient dans des voitures, donc c'est Ok. super. Tout le fait, tu dors bien, quoi. Et ta voiture en Nouvelle-Zélande, tu l'as payée combien? Alors en dollars, je l'ai payé 2 300 dollars, ce qui était pas cher.
Vraiment, ça fait 1500 euros. Et Voilà, 1500 exactement. euros pour une voiture où tu dors dedans, tu essaies de faire attention qu'elle soit pas, avec pas un grand nombre de kilomètres. Mais en fait, je vais t'expliquer vite fait comment ça s'est passé si ça t'intéresse. Mais la saison d'été, les voitures, elles étaient ultra chères. C'est-à-dire que il y avait des gens, ils venaient en Nouvelle-Zélande, ils venaient pas pour travailler, ils avaient économisé avec leur copine 10 000 euros. Voilà. Et en fait, ils se disent, bah, on va aller en Nouvelle-Zélande faire le road trip de notre vie et ils vont acheter une voiture 5 000 euros. Mais 5 000 euros, c'est énorme. Pour moi, hein, c'est énorme. Hein. Les 5 000 euros, ça fait 8 000 dollars, tu vois. Et en fin de compte, moi, j'ai dépensé 2 500 dollars parce que j'ai décidé de travailler tout l'été et partir en mars. Donc, en mars, en fait, les gens, il y en a certains qui rentrent en France, qui rentrent dans leur pays. Du coup, ils vendent leur voiture beaucoup moins cher. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire aussi les. C'est exactement ce que je te confirme. C'est super intéressant ce que tu dis. Là, au niveau stratégie, si vous souhaitez acheter vos véhicules moins chers, et ça c'est valable pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, les saisons sont inversées. Quand on est l'hiver en Australie, c'est l'été en. C'est l'été, bah, en France et inversement. Donc, une meilleure stratégie, c'est d'acheter un véhicule hors saison d'été. Alors, comme a dit Cédric, c'est très intéressant d'acheter un véhicule hors saison d'été. Donc, éviter entre décembre, janvier, février en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Et comme ça, vous allez acheter des véhicules moins chers. Tu vois, donc, en gros, les saisons sont inversées. Donc, quand c'est l'hiver en France, c'est l'été en Australie, en Océanie. Donc, ouais, faut le voir plus comme ça, au niveau des saisons. Donc, c'est intéressant d'acheter un véhicule en mois de mars. Après, il y a moins d'offres, mais il y a moins de concurrence. Donc, potentiellement, vous êtes force de proposition. Je me souviens d'avoir acheté un van en 2016, en avril 2016, à Sydney. J'ai pu négocier mon van. Alors que si tu es en pleine saison, bah, il y a tellement d'acheteurs que quand je l'ai revendu en janvier 2017, mon van à Melbourne, bah, il est parti comme un petit pain. Donc, ça, c'est intéressant de ce que tu dis. Et tu l'as revendu facilement, ton break en Nouvelle-Zélande? Comme un petit pain. Donc, ça, c'est intéressant de ce que tu dis. Et tu l'as revendu facilement, ton break en Nouvelle-Zélande? Alors pareil, il y a aussi cette histoire du coup, si tu comptes voyager, combien de temps tu voyages? Et en fait, moi, mon road trip, il a duré 2 mois et demi. Donc en fait, quand je me suis retrouvé en mai, j'avais fini. Parce qu'il faut savoir, le plus souvent, le road trip en Nouvelle-Zélande, c'est entre 2 mois et 3 mois. En 3 mois, c'est vraiment si tu prends le temps, tu te poses et tout. Et moi, ça a duré 2 mois et demi parce que voilà, je me suis un peu posé pareil. Et j'ai voulu vendre ma voiture, c'était en mai. Et mai, c'est quand même le début de l'hiver, surtout si tu es dans l'île du Sud. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, comparée à l'Australie, il y a des gens, ils vont vivre l'hiver à Melbourne, en Australie, ils vont faire, oh, il fait super froid. Va dans l'île du Sud de Nouvelle-Zélande et va vivre ton hiver. Tu me diras la différence. Il y a les glaciers, hein, en Nouvelle-Zélande. Hein. Donc, Exactement, super froid. Et là, exactement. quand tu as une voiture à vendre, en fait, ça peut être assez compliqué. Ouais. En fait, il y a un paramètre qui est très important, c'est qu'en Australie, si vous achetez un véhicule, vous vivez dans un van, dans un break, dans un 4x4, vous pouvez potentiellement vivre tout le temps dans votre véhicule, même pendant l'hiver. Il ne fait pas non plus des températures extrêmement fraîches. Éventuellement, si tu es en Tasmanie ou dans les arrière-pays de Melbourne, là, il risque de faire froid. Mais globalement, tu t'en sors plutôt bien parce que c'est 90% de désert. En Nouvelle-Zélande, pendant l'hiver, surtout l'île du Sud, comme l'a dit Cédric, il fait vraiment froid. On peut skier, il y a des glaciers, voilà, il y a du givre. Enfin, voilà, donc c'est compliqué de vivre en van pendant l'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc pensez-y. Donc ce qui est intéressant, c'est éventuellement faire du road trip entre novembre et mars. Et le reste de l'année, bah, vous vivez en appart à Queenstown, à Christchurch, à Wellington. Et ça peut être une stratégie intéressante parce que sinon, bah, vous travaillez même dans les stations de ski. Hein, ça se fait très bien. Hein, Queenstown pendant l'hiver, c'est très bien pour trouver du boulot dans les stations, dans les restos de refuges des montagnes. Ok. Et au niveau du coût de la vie en Nouvelle-Zélande, est-ce que ça t'a pas marqué au niveau. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'essence en Nouvelle-Zélande. J'ai trouvé ça très cher. C'est vrai que ça coûte cher et en plus tu en mets beaucoup en fin de compte parce que tous les jours tu veux faire une petite activité, tu dis bah je vais aller parce que tu as plein d'applications pareil qui sont super et on te dit bah il y a une cascade à 3 heures de voiture et en fin de compte tous les jours tu vas dépenser de l'argent dans l'essence. Moi j'ai voyagé seul donc je devais tout seul gérer mon essence et j'en ai vu rarement des gens qui voyageaient seul dans leur voiture et Oui. ouais c'est un sacré budget hein. Vraiment moi la Nouvelle-Zélande ça m'a coûté super cher à la fin en 2 mois et demi tout seul. Essence, assurance, enfin la nourriture, des fois tu as envie de te faire plaisir, tu vas te prendre un petit café, le café c'est comme en Australie, c'est dans les 5 dollars, bah, café muffin 2 fois par jour, mais t'imagines, genre ça fait 8 dollars café muffin 2 fois par jour, 16 dollars, et l'essence et tout, en fait à la fin de la journée tu peux dépenser facilement 30 euros hein, pour 3 jours, Exactement. c'est pas mal. Alors,
L'essence est très chère dans la Nouvelle-Zélande du Sud, elle est quasiment aussi chère que dans le désert en Australie. Sur l'île Nord, l'essence est un peu moins chère. Donc en gros, voilà. Après, c'est vrai que les distances sont moins importantes. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est 30 fois plus petite que l'Australie, donc vous allez dépenser beaucoup moins d'essence. Mais par contre, l'essence est quand même assez chère et on consomme davantage dans la mesure, en fait, vous allez rouler en montagne et forcément, bah, quand vous êtes à Wanaka ou Queenstown, bah, vous allez sillonner entre les montagnes et donc là, on peut rapidement bah, dépenser beaucoup plus d'essence dans des montagnes ou dans des collines, un peu comme en Tasmanie. Donc il y a ce paramètre qui joue aussi là-dessus. Est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, tu as trouvé facilement, tu dormais gratuitement dans des rest areas ou c'était compliqué par rapport à l'Australie? Donc en fait, quand t'as... toi tu dois le savoir, du coup, vu que tu as voyagé, je sais pas si tu as voyagé en Nouvelle-Zélande, mais... Non. Ah ben voilà. Mais du coup, en fait, tu as soit les véhicules self-contained, donc en français, c'est des véhicules où tu peux... En fait, moi, j'avais pas de self-contained, donc je crois que c'est avec toilette et un système d'évacuation de l'eau qui était vachement en rapport avec l'environnement. Donc, si d'un coup, tu as un véhicule self-contained qui est plus souvent un peu plus gros et un peu plus cher, tu vas avoir beaucoup d'espace où tu vas pouvoir en fait dormir gratuitement. Voilà, tu en as même beaucoup dans des zones où ça peut revenir très cher en fait de dormir avec ton véhicule. Comme moi, en fait, j'avais un véhicule non self-contained, donc c'était une voiture où j'avais mis un lit dedans. Voilà, tout simple. Hein. Ben là, tu dois. C'est payant assez souvent, surtout dans l'île du Sud, où l'essence coûte plus cher et tu as moins de zones de repos. Tu dois, voilà, des fois ça peut coûter 15 dollars la nuit, des fois ça peut coûter 20 dollars parce que tu n'as pas le choix. Tu veux prendre une douche chaude. Des fois tu veux prendre une douche chaude, bah, toi tu n'es pas self-contained, donc tu n'as pas l'idée d'avoir ta petite douche installée dans ton van. Et oui, ça peut. Donc tu as le choix, tu as toujours le choix. J'en ai connu qui essaient de dormir. Illégalement, tu sais, parce que du coup, si d'un coup tu ne dors pas dans ces lieux spécifiques, en fait, c'est illégal de dormir un peu comme ça où tu veux sur les routes. Et bon, il y en a, ils le font, hein, mais bon, moi je me dis, il y a un pays, il y a des règles, ça coûte 15 dollars la nuit, 10 dollars, ça va pas me tuer. J'ai toujours voulu faire ça avec eux. Alors, ce qui est intéressant, ce que vient de dire Cédric, c'est qu'en gros, quand vous allez acheter un véhicule, vous avez soit la possibilité de soit en self-conteneur ou en non self-conteneur. C'est vrai que c'est intéressant d'acheter du self-conteneur, avoir ce label, hein, donc en fait, comme tu l'as dit, toilette avec les systèmes d'évacuation d'eau indépendants pour éviter de polluer. Et derrière, c'est un investissement, mais au moins, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre d'endormir dans les free camps ou dans les campings aménagés que si vous n'êtes pas self-conteneur où souvent ça pose problème. Donc ça peut être intéressant d'investir dans des toilettes chimiques et un système d'évacuation d'eau. Et après par contre, il faut le faire commissionner. Si vous n'avez pas le self-conteneur, le passer en self-conteneur, il faut passer devant une commission. Donc là, il y a tout un processus. C'est pas très compliqué, mais c'est de l'argent. Voilà. Donc pour dormir gratuitement, pour rappel, vous êtes sûrement courant, t'as Wikicamp New Zealand comme Wikicamp Australie et en Nouvelle-Zélande, t'as Campermate. Donc c'est les deux applications. Campermate, on est dans du gratuit, mais je la trouve beaucoup. Moi, j'aime pas personnellement, c'est mon avis. Et Wikicamp New Zealand, bah, c'est comme Wikicamp Australie, je la trouve très riche, très ergonomique. Alors elle coûte 8 dollars à peu près, hein, vérifier 7-8 dollars, et c'est un investissement intéressant. Et après, comme a dit Cédric, si tu as besoin de prendre une douche, bah, dans le Campermate ou dans Wikicamp, tu peux aussi prendre les douches, mettre le filtre douche. Et souvent, par exemple, à Wanaka, je me souviens d'avoir pris mes douches dans la piscine municipale, ou tu vois, enfin, t'es pas obligé de payer un camping, si tu veux juste prendre une douche, tu peux juste payer la douche. Et après, bah, soit tu dors à l'arrache, soit tu prends un camping, soit tu vas chez les locaux, enfin, c'est très ouvert, hein, mais en gros, il y a toujours une solution de rechange. Après, en ville, c'est compliqué de dormir à l'arrache, mais après, éviter de dormir à l'arrache dans les parcs nationaux. Après, si vous dormez sur les routes, sur le côté, ça posera pas trop de soucis si vous respectez les règles et surtout que si vous êtes self-conteneur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le bilan Australie-Nouvelle-Zélande. Si demain j'hésite, si demain je dois hésiter entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu me conseilles? Quels sont les paramètres importants pour l'Australie choisir son itinéraire? Un budget et tu as peut-être un mois de vacances à 2 mois de vacances, pourquoi pas partir en Nouvelle-Zélande et même pas y travailler, en fait, tout simplement voyager. Pas forcément, tu peux faire un PVT si vraiment tu veux, mais la Nouvelle-Zélande, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus petit. Du coup, je pense que niveau randonnée, tu vois des paysages de partout incroyables. Et l'île du Nord, l'île du Sud est complètement différente. Donc, dans l'île du Nord, tu as un peu des plages à l'australienne, vu que c'est un peu un climat plus tropical. L'île du Sud, tu as le Mont Cook, les Wanaka, comme tu disais, Queenstown, c'est des lieux avec des lacs, mais d'une couleur incroyable. Et tout ça, c'est mélangé, en fait. Tout s'agglutine, tout s'empile les uns les autres, et ça fait la Nouvelle-Zélande. Et enfin,
tu fais pas beaucoup de kilomètres, tu vis dans ta voiture et en fin de compte, tu vois des choses incroyables dans un seul pays. Donc la Nouvelle-Zélande, moi, je conseillerais plus pour les gens qui ont, pourquoi pas, envie de faire un road trip sur une courte période, en fait, qui ont envie de faire de la photographie incroyable, pourquoi pas aussi, en Nouvelle-Zélande, tu t'éclates et c'est pas si long que ça. Voilà, c'est pour moi, tu peux le faire plus rapidement. Après l'Australie, je trouve que c'est un pays beaucoup plus grand. C'est un pays beaucoup plus riche. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités, je pense, niveau travail. Les grandes villes sont vraiment intéressantes parce que les grandes villes en Nouvelle-Zélande, malheureusement, elles ne sont pas toutes avec du charme, en fait. Tu vois, dans certaines villes, des fois, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais là? Alors qu'en Australie, tu vas à Melbourne, Sydney, Brisbane. Genre, elles ont toutes un peu leur charme. Et ouais, t'es bien payé aussi en Australie. Du coup, si tu veux faire un PVT, ça peut être vachement intéressant, ouais. Je pense que tu as tout résumé. Après, j'aimerais juste rajouter un truc. Ce que j'ai trouvé léger en Nouvelle-Zélande, c'est au niveau des animaux, hein, de la faune. C'est-à-dire qu'en Australie, tu as quand même des espèces, tu as beaucoup d'espèces qui vivent localement, qui sont juste locales, hein. Donc les kangourous, les wombats, les koalas, les quokkas sur l'île à côté de Perth. Enfin voilà, tu as vraiment une richesse. Tu as le diable de Tasmanie qui est encore vivant. Tu as le wombat. Enfin voilà, c'est ça que j'ai adoré. En Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivé en 2013 après mon PVT, j'ai trouvé ça bah, léger en fait, à part bon, des moutons, mais les moutons je peux en avoir partout. Donc c'est vrai qu'au niveau de la faune, j'ai trouvé ça très maigre. C'est ça qui m'a pas déçu, mais voilà, t'as pas ce côté magique. Et aussi au niveau des distances, Australie, c'est vrai que tu peux rouler des milliers de kilomètres sans jamais t'arrêter. La Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus petit. Après, voilà, Nouvelle-Zélande, comme tu l'as dit, je pense que c'est plus pour la rando, la nature, les lacs, vraiment le côté vraiment ultra nature, alors que l'Australie, ça va plutôt être le côté vraiment extrême, toi, terre rouge, animaux dangereux, lacs, paysages infinis. Les parcs en Australie sont infinis, toi, quand tu es à Carrigenie ou au Blue Mountain, c'est l'impression de dominer la terre entière. Et après, la Nouvelle-Zélande, à mon goût, est devenue un peu trop touristique. Et c'est vrai que sur certains spots, pardon, eh ben des fois, tu arrives un peu à saturation, surtout l'été. Donc, essayez d'éviter entre novembre et mars, enfin novembre et février, surtout janvier-février. L'Australie, c'est tellement grand, à part sur la côte est, côte ouest, Tasmanie, nord-centre, ça va encore, c'est pas encore trop touristique, surtout hors période scolaire. Donc, surtout Nouvelle-Zélande, évitez. Et Australie, janvier, tout le mois de janvier, vraiment, évitez de le visiter. C'est les vacances scolaires locales. Donc vous allez souffrir au niveau du monde. Après, voilà, il y a du monde, c'est sympa, mais vous faites plus de, c'est un peu plus chiant au niveau des parkings, tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc en Nouvelle-Zélande, t'as pas du tout galéré pour trouver du travail. Tu peux t'en sortir. Après, voilà, comme je dis, il ne faut pas hésiter à sortir des villes. Il y a des petites villes aux alentours qui peuvent chercher dans le picking. Il y a tout ce qui est service, restauration, c'est toujours quelque chose qui marche, hein. Pourquoi pas venir en parlant plusieurs langues. Si d'un coup tu parles déjà espagnol, italien par rapport à ta famille ou quoi, c'est un plus toujours. Aujourd'hui, chinois, ça se développe encore plus. Pourquoi pas, hein. Si d'un coup tu parles chinois, c'est encore mieux. Mais ouais, bien parler anglais. Pourquoi ne pas hésiter à sortir des villes? Et toujours regarder un peu les bons plans fruit picking. Et en fait, il y a l'histoire du CV, tu prends des CV, tu les donnes de partout. Des fois, les gens disent, mais ça, c'est ringard, ça marche plus. Ben non, ça marche toujours. J'étais cette année, hein, en Nouvelle-Zélande. Hein, je suis parti là en juin. C'était il y a quelques semaines. Hein, je suis rentré. Tu es dans une grande ville comme Auckland, Wellington ou quoi. Tu donnes des CV, tu donnes des CV. Un jour, ils vont t'appeler, ils vont dire, on a besoin d'un mec, en fait. Et tu viens, quoi. Oui, voilà, bah, c'est dans les deux pays, hein, je pense que c'est le bouche-oreille, c'est donner des CV un peu au hasard, mais par contre, dans votre CV, je vous conseille toujours de bien cibler. Je sais plus avec. Enfin, j'avais récemment une personne au téléphone, alors elle avait un bon CV, mais sauf qu'il n'était pas forcément bien ciblé. Donc, si vous cherchez dans la restauration, faites un CV vraiment que pour la restauration et pas dans le bâtiment. Donc, ça c'est la clé. Et après, il y a toujours moyen. En gros, il faut se laisser entre 1 et 3 semaines avant de décrocher un premier emploi. Et après, bah, une fois que ça se débloque, bah, vous allez avoir de l'expérience et de la confiance. Et après, votre PVT va se lancer. L'objectif, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que vous allez arriver en Australie ou Nouvelle-Zélande, vous allez vivre de vos économies françaises au départ. Et après, normalement, au bout de 2-3 semaines, vous ne touchez plus à votre compte français et vous vivez uniquement de vos économies gagnées dans le pays, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est l'objectif, hein, visa vacances-travail. Et en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a des bons plans. Vous pouvez gagner entre 500 et 1 000 dollars à la semaine. Donc, par rapport à la France, les salaires sont quand même beaucoup plus intéressants. Nouvelle-Zélande, peut-être un peu moins intéressant, mais tu trouves quand même des bons plans. Après. On s'est vu d'ailleurs à Christchurch, voilà, il y a eu le séisme il y a quelques années, et en fait c'est une ville, si vous êtes vraiment à la recherche de travail, vous pouvez faire dans l'intérim, dans le bâtiment, voilà, et en fait ça recrute, mais vraiment quoi.
c'est obligé que tu trouves un travail. Et comme je disais, entre 700 et 1000 dollars par semaine, parce qu'ils n'ont pas les 35 heures semaine, ils ont plus 50 heures. Hein, quand ils ont besoin de toi, il faut y aller toi aussi. Pas hésiter à dire oui pour 50 heures semaine. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a payé mon billet de retour. Et en une journée, j'ai eu un travail. Hein, à Christchurch, tu peux dans le bâtiment, tu mets laboureur et tu as du travail. Agence d'accord. Et en Nouvelle-Zélande, pour travailler dans le bâtiment, tu as eu besoin de licence pour travailler dans le bâtiment? Non, rien. Ils ont fait le test drogue. C'est un test urinaire, en fait. C'est un coup où tu n'as pas fumé ou quoi. Et tu le fais une seule fois. Et après, en fait, ils te trouvent un travail assez rapidement. Et si tu n'es pas en retard sur tes premiers jours, en fait, c'est des petites offres. Des fois, ils te donnent deux jours. La première oui. semaine, la semaine d'après, ça va être deux autres jours dans une autre compagnie. Et moi, j'étais jamais en retard. Je m'étais acheté un vélo et tout. Genre, j'ai mon vélo spécialement pour aller au travail. En plus, à Christchurch, il faisait super froid là en juin. J'allais tous les matins, je me levais à 6h50 et tout. J'allais travailler et je faisais 50 heures semaine. Et les gens, je leur ai montré que j'étais capable d'être à l'heure, genre que j'étais un bosseur en fait. Et ils vont te donner des contrats à Christchurch. Ça marche vraiment bien dans le bâtiment si vous cherchez. C'est une ville malheureusement qui a été victime de tremblement de terre à deux reprises et donc elle a besoin de se reconstruire. Donc comme a dit Cédric, qui a besoin de travailler dans le bâtiment. L'Australie, vous avez besoin de la wildcard. Apparemment, Nouvelle-Zélande, t'as pas forcément besoin de licence. Donc après, vérifiez bien pour chaque boulot et vérifiez tout ça. En tout cas, ce qui est positif dans ce que dit Cédric, c'est qu'il y a moyen de trouver du travail. Comme je dis toujours dans mes vidéos, il y a toujours moyen, il faut toujours rien lâcher, il ne faut pas hésiter à être dynamique, tchatcher, rencontrer du monde. Et on finit toujours par trouver, hein, sinon il n'y aurait pas autant d'engouement avec ces deux destinations. C'est que ça se saurait. Donc ça se sait qu'il y a du travail, après il n'y a rien de facile. Il faut se laisser du temps pour l'anglais, pour faire un petit réseau. Et après, si vous êtes surtout manuel, vous avez un bon anglais, ça va vraiment bien se passer. Si vous ne rentrez pas dans ces deux cases, allez plutôt dans les fermes. C'est ce que je conseille souvent. En free picking, il y aura toujours moyen. Nouvelle-Zélande, kiwi, enfin, tous ces fruits-là qui sont très recherchés. Et il y a moyen de se faire comme des très bons salaires. Et après, de se faire plaisir, comme tu l'as dit, en Asie, de partir en Asie pour une vie moins chère. Ou même se faire plaisir en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, il y a vraiment moyen. Vraiment, c'est pas extraordinaire en soi. T'as un truc à rajouter, sinon un dernier conseil pour les internautes? Je vous conseille après l'été, comme tu as dit. De mars à avril, c'est très acceptable. Hein. Même juin, tu peux encore explorer l'île du Sud. Et sinon, donnez fou à fond. Essayez de garder cette bonne... De jouer le français vachement sympa, pas le français qui fait que râler, pas le français qui vole. Enfin, moi, j'essaye aussi de donner, c'est mon conseil, quoi. C'est quand on va dans un pays, on respecte, on ne plonge pas. T'es en Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est magnifique. T'es avec ton camping-car ou ta voiture, tu jettes pas n'importe où tes affaires, tu respectes les gens. Voilà, le respect, c'est ce que je conseille. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec la motivation et avec un petit pour moi un budget minimum 3000 euros pour partir là-bas en Océanie. Et après, sur place, vous allez trouver du boulot au bout de 3 semaines. Ça va bien se passer. Vous achetez un véhicule, vous faites du road trip. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. Et même si ça se passe mal, il y a toujours une solution. Voilà, il y a toujours une solution de rechange. Il faut être positiver. En tout cas, merci Cédric. Je mets en bas de la vidéo son compte Instagram si vous avez besoin de. Si vous voulez le suivre, voilà. Donc, il fait des photos intéressantes sur Instagram. Donc n'hésite pas Cédric à m'envoyer tes différents liens si t'as d'autres réseaux que tu veux mettre en avant. En tout cas merci en tout cas pour ton expérience, c'est vraiment super enrichissant d'avoir comparé ces deux destinations, c'était une première sur YouTube et on se retrouvera en tout cas très bientôt les amis, merci Cédric. Merci à toi aussi Damien. Et de belles choses pour tes prochains voyages, que ce soit en Océanie ou n'importe où, ça va. De toute façon, une fois que tu es parti, après, tu peux plus vraiment t'arrêter. Hein, c'est une maladie. C'est une maladie, on en veut toujours plus. Et c'est pour ça que j'essaie de partager sur YouTube aussi cette envie d'être entrepreneur et de pouvoir essayer d'être autonome au maximum. En tout cas, à très bientôt, les amis. Et merci, Cédric. Merci.